Let me talk about some of the issues. One is North Korea. And you say that you, as president, would be willing to launch a preemptive strike against North Korea's nuclear capability. First, I'd negotiate. I would negotiate like crazy, and I'd make sure that we tried to get the best deal possible. Look, Tim, if a man walks up to you on a street in Washington, because this doesn't happen, of course, in New York, but if a man walks up and puts a gun to your head and says, give me your money, wouldn't you rather know where he's coming from before he had the gun in his hand? And these people, in 3 or 4 years, are going to be having nuclear weapons. They're going to have those weapons pointed all over the world, and specifically at the United States. The biggest problem this world has is nuclear proliferation. And we have a country out there in North Korea, which is sort of wacko, which is not a bunch of dummies, and they are going out and they are developing nuclear weapons. And they're not doing it because they're having fun doing it, they're doing it for a reason. Il y a 20 ans, un homme d'affaires voulait être président des États-Unis. À présent, il fête le premier anniversaire de son élection. Mais ses anciennes promesses ont l'air d'avoir du mal à se concrétiser. Jusque-là, il nous a montré que pour parvenir à ses fins diplomatiques, ou simplement pour faire rentrer de l'argent dans les caisses américaines, il possédait une méthode, une vieille théorie, un art de la négociation. Montrer sa force avant de discuter, quitte à subtilement promettre le feu et la fureur à la Corée du Nord en plein anniversaire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. And as I said, they will be met with fire, fury, and frankly power, the likes of which this world has never seen before. Thank you. Yes, I think we're making a lot of progress. I think we're showing great strength. I think they understand we have unparalleled strength. There has never been strength like it. You know, we sent 3 of the largest aircraft carriers in the world, and they're right now positioned. We have a nuclear submarine also positioned. With that being said, I really believe that it makes sense for North Korea to come to the table and to make a deal that's good for the people of North Korea and the people of the world. I do see certain movement, yes, but let's see what happens. Jouant le méchant flic depuis les États-Unis, puis le gentil flic lors de son voyage en Asie début novembre, l'opération est un succès économique. La Corée du Sud et le Japon vont commander de l'armement américain pour plusieurs milliards de dollars. Or il reste un problème, le Pentagone continue de craindre un basculement des forces asiatiques avec l'apparition d'un nouvel état nucléaire. Et la République populaire démocratique de Corée ne semble pas vouloir négocier sa maîtrise de l'arme atomique. Alors malgré son art de la négociation, pourquoi Donald Trump risque-t-il d'être déçu ? Cela n'échappe à personne, le pouvoir nord-coréen est très souvent présenté comme une caricature à décrypter par des psychiatres, et beaucoup moins comme une énigme politique, comme un sujet d'analyse, alors qu'il s'agit du premier réflexe à avoir vis-à-vis d'un adversaire. Le maître Sun Tzu ne pourrait qu'approuver. Et pourtant, il est très facile de se moquer de la Corée du Nord, avec son système surréaliste, ou encore de la sanctionner pour dissimuler l'impuissance d'une scène internationale qui ne parvient pas à l'empêcher d'accéder au nucléaire. De là à dire que le dirigeant Kim Jong-un est en train d'humilier symboliquement son opposant américain, réduit à la formulation de menaces creuses, il n'y a qu'un pas. Et en même temps, il faut rappeler que la Corée du Nord entretient une haine farouche envers les États qui lui ont apporté le plus de secours humanitaire au moment où elle en avait le plus besoin. Entre 1995 et 2008, le Congrès américain déclare avoir fourni l'équivalent d'1,3 milliard de dollars en nourriture et en assistance énergétique, tandis que la Corée du Sud avait fourni 7 milliards. Encore en septembre 2017, malgré les sanctions, la Corée du Sud a débloqué 8 millions de dollars pour que l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial continuent d'opérer au nord de sa frontière. Faut-il en déduire que la République populaire a su tirer son épingle du jeu, quand elle est devenue un état nucléaire tout en manipulant les grandes puissances avec un pragmatisme digne de Machiavel? Comme si elle avait compris qu'une diplomatie exemplaire ne l'amènerait à rien, alors qu'une politique de provocation permettrait au contraire de soutenir son économie. Au fond, Pyongyang est très loin d'être folle. Au contraire, elle poursuit des objectifs stratégiques parfaitement clair. Et qualifier les chefs nord-coréens de noms d'oiseaux pour refuser de voir que le pouvoir en place cherche depuis toujours une assurance vie contre les interventions étrangères revient à se voiler la face. En vérité, la Corée du Nord pourrait bien être l'un des acteurs internationaux les plus rationnels de ces dernières décennies, et dont la politique internationale est parvenue à ses fins. Cette hypothèse est difficile à accepter en Occident, mais elle sera quand même abordée dans un second épisode. Car avant tout, il faut comprendre comment a pu se construire un pouvoir unique en son genre, à la fois totalitaire et dynastique, allant bien au-delà d'un communisme de guerre froide, dont tous les frères seraient tombés en Europe de l'Est. À l'heure où les opinions s'agitent devant une menace nord-coréenne, il est utile de se souvenir d'une déclaration de l'historien Bruce Cummings : « La République populaire rend fou ceux qui en parlent ». Alors,
Entre les mystères d'un pays isolé et la folie de ceux qui l'observent, il est temps de se demander sur quoi repose cet état nord-coréen que rien ne semble arrêter. En premier lieu, que peut-on dire de la Corée du Nord par rapport à son environnement et ses voisins? C'est un pays de petite taille, environ la moitié de la Grande-Bretagne pour seulement 25 millions d'habitants, et encerclé par plusieurs des plus grandes puissances mondiales. Parmi elles, la Chine, la Russie avec qui la Corée partage une très courte frontière, le Japon, et bien sûr, la Corée du Sud, qui s'illustre à présent comme la 11e puissance économique de la planète, juste devant la Russie. Les relations avec ces géants économiques, démographiques ou militaires ne sont pas nombreuses, mais elles existent. Au nord du pays se trouve une forte population coréenne dans la préfecture autonome de Yanbian. Autrefois, elle était entretenue et courtisée par Pékin et Pyongyang. Mais aujourd'hui, cette communauté prospère a fait le choix de se détourner de la Corée du Nord pour le capitalisme à la chinoise. Il faut dire qu'avec le temps, les illusions se sont dissipées. Surtout lorsque 250 000 Nord-Coréens avaient passé la frontière pour fuir la grande famine de 1995. Et depuis que la Chine et la Corée du Sud ont signé un accord de libre-échange en 2015, la communauté n'a plus que Séoul en tête. En revanche, la ville chinoise d'Andong constitue une véritable porte d'entrée pour la Corée du Nord. Chaque jour, des voitures, des camions et des trains chinois chargés de nourriture et de matières premières franchissent la frontière. C'est par ce cordon ombilical que circule la moitié, sinon les trois quarts du commerce, entre les deux pays. Dans cette ville d'un million d'habitants, les Nord-Coréens venus travailler légalement se démarquent très vite. Ils tiennent des commerces et des lieux de divertissement dans un urbanisme en pleine croissance où se croisent des personnes et des capitaux venus de toute l'Asie, y compris de l'autre moitié de la péninsule coréenne. Or, depuis 64 ans, les deux Corées sont séparées par une zone démilitarisée, qui, comme son nom ne l'indique pas, est l'une des frontières les plus fortifiées au monde, attentivement gardée par des dizaines de milliers de soldats. Mesurant 250 km de long et 4 km de large, cet espace est devenu au fil des années une véritable réserve naturelle où sont représentées 67% des espèces animales et végétales de la péninsule, grâce à l'absence de tensions en milieu terrestre, à l'inverse des frontières maritimes dont le tracé est contesté. Mais cette cicatrice de la guerre froide ne doit pas laisser oublier qu'à partir de 2002, des travailleurs sud-coréens ont été employés en Corée du Nord et traversaient régulièrement la frontière pour se rendre dans la région spéciale de Kaesong. Cependant, en février 2016, Séoul rappela ses citoyens pour protester contre le nouvel essai nucléaire et le discours guerrier de Pyongyang. De fait, la Corée du Nord affiche une politique bien plus autoritaire que ses voisins. En théorie, elle est dirigée par un parti des travailleurs de Corée, extrêmement majoritaire à l'Assemblée populaire. Dans la pratique, le pouvoir décisionnel est réservé au corps exécutif, mais il ne dépend pas toujours de la volonté d'un individu particulier, car le chef suprême doit maintenir un équilibre entre l'influence de l'armée, celle du parti, et surtout les ambitions ou capacités de nuisance de ses subordonnés. Le pays a donc connu trois dirigeants qui se sont transmis le pouvoir de père en fils. Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Et chacun peut être associé à une période historique particulière. Kim Il-sung, le bien-aimé fondateur du régime. Il fut le capitaine d'un pays prospère jusqu'à la fin des années 1970, où la Corée du Nord commença à stagner en même temps que l'Union soviétique s'effondrait sur elle-même. Vénéré de manière religieuse, il continue officiellement à diriger le pays depuis l'au-delà, grâce à son titre de président éternel. Kim Jong-il, le chef austère et discret qui n'aurait prononcé qu'un seul discours public en 17 ans de règne. Il est assimilé à la misère catastrophique des années 1990, une période appelée la marche de la souffrance, qui coûta la vie à 2 millions ou plus de Nord-Coréens. Officiellement, la cause de ce désastre était une série de calamités naturelles étendues entre 1994 et 1998. En vérité, il s'agissait surtout d'une conséquence de la fin des importations soviétiques, de machines agricoles et de différents produits manufacturés. C'est donc tout un système économique qui était à revoir, alors que pour la première fois, la Croix-Rouge était autorisée à intervenir sur place. Il se démarque aussi par son bras de fer contre les États-Unis,
avec qui il voulait échanger son jeune programme nucléaire contre une reconnaissance politique et un soutien matériel. Il dut également fermer les yeux sur la corruption et le marché noir pour sauver son régime en crise. Enfin, Kim Jong-un, le moins expérimenté des trois. Arrivé au pouvoir à 29 ans, il cherche à ressembler à son grand-père, toujours joyeux quand il rend visite à sa population. Son objectif est de montrer que les heures sombres du pays sont révolues, et que l'indépendance obtenue grâce à la bombe lui permettra de continuer d'améliorer le niveau de vie des Nord-Coréens au fur et à mesure qu'il réforme son économie. Le secret d'une telle dynastie réside donc dans un savant mélange de mémoire nationale, de monopolisation progressive du pouvoir au nom d'un destin coréen, et de la poursuite d'une souveraineté définitive. Quand les baleines s'affrontent, les crevettes ont le dos rompu. Ce proverbe coréen résume parfaitement le passé d'un pays piégé entre grandes puissances. Le sentiment d'une Corée privée de son destin par des forces étrangères a été cristallisé et entretenu à Pyongyang, alors que tous les Coréens puisent encore leur patriotisme dans la division forcée de leur nation. Des peuples chinois, des Mandchous, des Mongols, des Japonais, des Français, des Américains, la liste des envahisseurs venus mettre à mal la Corée est d'autant plus longue que souvent, la péninsule n'était même pas l'enjeu de ces interventions, et cela à cause de la position géographique du pays. Dès le XVIIe siècle, après des invasions japonaises et mandchoues, la ruine et la famine créèrent un fort sentiment de méfiance dans la péninsule, et la monarchie coréenne, discréditée par ses défaites, refusa tout contact avec l'extérieur. Le royaume ermite était né. C'est au XIXe siècle que le pays fut à nouveau rattrapé par le reste du monde. Les missionnaires catholiques rencontraient une grande hostilité quand ils n'étaient pas exécutés. Et le sort de la Chine, découpé en de multiples concessions par les Occidentaux, drogué à l'opium, manipulé et exploité économiquement, poussa la Corée à adopter une politique xénophobe. En 1884, la péninsule se couvrit de bornes sur lesquelles était gravé « Non à l'invasion barbare des Occidentaux ». Signer avec eux, c'est vendre le pays. Mais pendant la nouvelle guerre entre le Japon et la Chine, entre 1894 et 1895, la Corée retourna une fois de plus à son statut de feuille de salade dans le sandwich, et finit sous l'influence informelle du Japon victorieux. La domination de l'Empire japonais fut complète en 1905, après une victoire contre la Russie, puis en 1910, lorsque la Corée fut officiellement intégrée. S'ouvrit alors la période de la colonisation japonaise, d'une importance fondamentale dans l'identité coréenne moderne. Car l'occupation et la répression exercée par l'Empire du Soleil Levant engendra la première dynamique nationaliste d'un pays privé de sa culture. En effet, pour légitimer leur arrivée sur le continent et la colonisation de la péninsule coréenne, les forces d'occupation développèrent la croyance que Japon et Corée étaient un même pays, un même peuple avec la même culture, japonaise bien entendu. Tout ce qui relevait des enseignements coréens fut rayé des programmes scolaires. Seule la langue nippone devait régner. La religion politique du shintoïsme était obligatoire, Séoul fut rebaptisé Keijo, chaque citoyen devait adopter un nom japonais. Mais le traumatisme fondateur que furent les 35 années d'occupation ne s'arrête pas là. Alors que l'impérialisme japonais s'étendait à travers la Mandchourie au nord, puis en Chine à l'est, des dizaines de milliers d'esclaves sexuelles coréennes, pudiquement appelées « femmes de réconfort », furent échangées parmi les troupes nippones. Des cobayes coréens furent même envoyés à l'unité 731, un centre de recherche bactériologique n'ayant rien à envier à un camp d'extermination par ses expériences de différentes maladies, comme la peste, le choléra ou le typhus, parmi les civils. Entre 1939 et 1945, au moins 600 000 travailleurs furent déportés au Japon pour servir dans les usines et soutenir l'effort de guerre. Si la colonisation japonaise a permis l'industrialisation et la modernisation administrative du pays, les multiples crimes de guerre et esclavage de masse hantent encore aujourd'hui les relations entre Séoul et Tokyo. Mais pour Pyongyang, dont le régime appuie sa première légitimité sur la résistance à cet envahisseur, il est hors de question de laisser oublier un tel traumatisme, ni de pardonner à ceux qui avaient collaboré. Le 15 août 1945, la Corée était officiellement libre, en tout cas jusqu'à son partage 10 jours plus tard entre soviétiques et américains. Incapables de s'accorder sur le destin que devait suivre la péninsule, les grands acteurs étaient déjà gagnés par la mentalité de la guerre froide. Ils organisèrent chacun leurs propres élections, au sud et au nord du 38e parallèle, devenue une frontière politique. Le 15 août 1948, la République de Corée du Sud fut proclamée, suivie le 9 septembre par la République populaire démocratique de Corée. L'homme fort choisi par les soviétiques pour la Corée du Nord était un fils de paysan issu de la résistance anti-japonaise en Mandchourie. Kim Song-ju, ou Kim Il-sung, de son nom de guerre. Son activité de résistant avait beau être avérée, sa présentation au peuple coréen en 1945 n'eut pas l'effet escompté. Car persuadé de rencontrer un champion de guerre, les 70 000 résidents de Pyongyang venus le voir découvrirent un jeune homme de 33 ans, à l'allure simple et entouré de responsables soviétiques. Or la population locale avait déjà fait les frais de gouvernements fantoches, et d'influence étrangère. Certains quittèrent même la cérémonie avant la fin.
À Séoul, les États-Unis avaient rapatrié un anticommuniste notoire, le président Syngman Rhee, dont le pouvoir fut de plus en plus autoritaire avant de sombrer dans la dictature pure et simple. De son côté, Kim Il-sung s'inspirait du modèle de son parrain stalinien. Sans s'inquiéter de l'histoire du pays, les deux superpuissances poussèrent donc la population coréenne à s'entre-déchirer pour des intérêts étrangers, alors que le colonialisme avait laissé germer l'idée forte d'une véritable réunification. La guerre de Corée débuta le 25 juin 1950, à l'initiative du Nord, et s'organisa en trois phases. La première est celle d'une victoire éclair des troupes du Nord jusqu'au sud de la péninsule. La seconde atteste l'arrivée d'une armée internationale de 300 000 soldats, dont 260 000 anglo-saxons, sous mandat des Nations Unies. L'Union soviétique comprit alors à ses dépens que le boycott des séances du Conseil de sécurité n'était pas une bonne stratégie, car la décision s'était prise pendant son absence. La ligne de front remonta donc jusqu'à la frontière chinoise. Or déjà à cette époque, la jeune Chine communiste de Mao Tse-tung refusait d'avoir des troupes américaines à sa frontière, et soutenait l'état tampon nord-coréen. S'ouvre donc la troisième phase du conflit, où l'armée chinoise déferla sur la Corée, stabilisant la frontière autour du 38e parallèle pendant deux longues années de négociations stériles, jusqu'à l'arrivée du président Eisenhower à la Maison Blanche. Opposé à la guerre, il exigea un armistice, faute de quoi il emploierait la bombe atomique, à peine 8 ans après Hiroshima et Nagasaki. Un armistice fut donc signé le 27 juillet 1953 entre les Nations Unies, la Chine et la République Populaire, jusqu'à ce qu'un accord final de paix soit trouvé. Ce traité de paix, les Coréens l'attendent toujours. De manière indéniable, la guerre de Corée est la plus importante matrice de la mentalité nord-coréenne, principalement pour son extrême violence, d'un niveau presque équivalent à celle du Vietnam, sinon pire à cause d'une urbanisation coréenne plus avancée. De plus, les images étaient beaucoup plus rares, et à cause de la censure, les reportages ne mentionnaient que très peu les pertes civiles provoquées par le tapis de bombes américain. Encore imprécis, les chiffres indiquent 1 million de soldats morts pour 2 millions de pertes civiles, soit 3 ans de guerre pour 3 millions de morts. Le manque de retour critique sur ce conflit instaura un profond silence sur ce que beaucoup appelèrent la guerre oubliée. L'historien américain Bruce Cummings dresse un portrait très sévère de son gouvernement de l'époque, qui selon lui ne chercha aucun compromis pacifique entre les anciens collaborants en poste dans la police, l'armée ou encore le gouvernement de Séoul et les communistes de Pyongyang. L'auteur rapporte également les moyens employés par les États-Unis pour détruire les Coréens du Nord depuis les airs, sans totalement écarter les rumeurs sur l'emploi d'armes chimiques ou sur la complicité d'anciens responsables de l'unité 731. Car au sol, les divisions de Kim Il-sung se révélaient redoutables avec leur expérience dans la résistance anti-japonaise et dans la guerre civile chinoise de Mao Tse-tung. C'est donc plus de 635 000 tonnes de bombes et 32 557 tonnes de napalm qui furent larguées sur les Nord-Coréens, soit bien plus que pendant toute la campagne du Pacifique contre les Japonais. Pire, une fois qu'il ne restait plus de cibles militaires, ce fut au tour des infrastructures civiles d'être bombardées. Les barrages pour priver le pays de son électricité et de son agriculture, ou tout simplement les villes elles-mêmes, parfois intégralement rasées comme Pyongyang. La brutalité employée pendant cette guerre, menée par les mêmes généraux qui avaient écrasé le Japon, est alors paradoxale, puisque c'est à ce moment que les États-Unis devenaient les gendarmes du monde, après avoir atomisé le Japon et plusieurs fois hésité à faire de même en Corée. Voilà d'où vient cette peur constante d'un bombardement étranger, à la fois martelé par le discours officiel nord-coréen, mais aussi symboliquement rappelé par les exercices de l'US Air Force en Corée du Sud. Souvent, il est entendu que la guerre froide ne s'est pas terminée en Corée du Nord. Or, au vu de la mémoire nationale, c'est la guerre de Corée qui est toujours d'actualité, voire la colonisation japonaise. D'un autre côté, il a été affirmé que l'anti-américanisme était déjà présent avant la guerre, et que Kim Il-sung n'a fait que renforcer son projet nationaliste et racial, où les Coréens devenaient le peuple le plus pur. À la suite des conflits, Pyongyang comprit que son pays montagneux était difficile à envahir par voie terrestre, mais qu'elle ne pourrait jamais dominer son espace aérien en cas de guerre avec les États-Unis ou leurs alliés. Quasiment toute l'activité militaire se trouve donc encore de nos jours dans un vaste réseau de galeries souterraines, pour se protéger de tout bombardement. Même le métro de Pyongyang est situé à 100 mètres de profondeur et fait office d'abri anti-atomique. Une fois remise dans son contexte, la paranoïa étatique paraît plus claire. Plus qu'un état d'urgence, c'est un état de guerre qui justifie le totalitarisme du pouvoir nord-coréen. De cette mémoire entretenue par l'État, le dirigeant est valorisé pour ses qualités de guerrier et d'architecte, soit deux valeurs que la famille Kim doit toujours exposer aux yeux de la population. Quant à la solidarité chinoise et à la reconstruction de la capitale par les soviétiques, ces dernières se sont vues de moins en moins créditées, laissant presque oublier que ce sont les grands acteurs de la guerre froide qui ont forgé la Corée du Nord. Ainsi, dès le début de son règne, Kim Il-sung avait compris que pour perdurer, il devait lier son pouvoir à un projet national, derrière lequel chacun se rangerait, de gré ou de force. L'écrivain et diplomate Mirabeau aurait dit un jour de la Prusse du XVIIIe siècle, l'ancêtre de l'Allemagne, « Ce n'est pas un État avec une armée, mais une armée avec un État. »
Eh bien, la Corée du Nord, ce n'est pas un État avec une famille à sa tête, c'est une famille qui a construit son propre État. Depuis sa mise en place, le pouvoir de Pyongyang a considérablement évolué, car rien ne laissait préfigurer que la famille Kim monopoliserait le pouvoir de cette manière. Malgré les origines soviético-chinoises indéniables, la doctrine nord-coréenne a dépassé le socialisme tel que l'exportait Moscou, pour créer une idéologie profondément enracinée dans la culture coréenne, au point que depuis 2010, la constitution ne fait plus aucune référence au communisme. Que s'est-il passé ? Une réalité fréquemment méconnue est la prospérité de la Corée du Nord. Jusqu'à la fin des années 1960, Pyongyang l'emportait économiquement sur Séoul. Dès 1945, Staline avait envoyé des milliers d'experts pour relancer un pays industrialisé, riche en charbon, en fer et en uranium, par rapport au sud agricole dont les États-Unis se méfiaient. Le soutien humain et financier de Moscou permet à Kim Il-sung de construire, puis de reconstruire en quelques années seulement après la guerre de Corée, un pays en avance sur son voisin du sud. Plusieurs fois sujet à de grandes manifestations, le pouvoir sud-coréen les réprima dans le sang à l'aide de la même police qui maintenait l'ordre pendant l'occupation japonaise. Bénéficiant d'un avantage considérable, Kim Il-sung concentra très vite entre ses mains la direction de l'armée, du Parti des travailleurs et du gouvernement. Dès 1948, des statues du père de la nation se dressaient déjà dans le pays. Cependant, le soutien inconditionnel de Moscou fut de courte durée. 3 ans après la mort de Staline en 1953, Nikita Khrouchtchev déclara en plein congrès du Parti soviétique que le petit père des peuples n'était qu'un despote, dont le culte de la personnalité avait paralysé le pays pendant 30 ans. Toujours en 1956, lors du 3e congrès du parti coréen, le représentant officiel de l'Union soviétique, un certain Léonid Brejnev, fit la promotion du retour aux normes léninistes de gestion collective. Kim Il-sung comprit immédiatement le message. Son ancien protecteur voulait sa tête. Lorsque les factions pro-chinoises et pro-soviétiques du parti essayèrent de le renverser, le chef coréen profita de la récente division entre la Chine et l'Union soviétique pour organiser une grande purge contre ses cadres. En 1961, à l'occasion du 4e congrès coréen, Kim Il-sung s'était débarrassé de l'opposition et avait placé tous ses fidèles au poste de responsabilité. La purge de 1967 contre les 2/3 des cadres régionaux ne fit que prolonger la disparition du pluralisme politique. Kim Il-sung avait donc vaincu les partisans des doctrines de Moscou et de Pékin. Il se présentait alors comme un vrai Coréen. Son culte de la personnalité fut définitivement acquis en 1974, quand fut officialisé le système idéologique monolithique, soit dit principe plaçant le chef coréen comme un modèle à suivre à qui le peuple doit une obéissance complète, pour le remercier de porter une idéologie purement coréenne. Considéré à tort comme une création du régime, le concept de Juche renvoie la faculté d'agir seul, et désigne dans le langage courant l'autonomie ou l'indépendance. Dans un contexte politique, le Juche est l'opposition totale à la doctrine millénaire de la soumission à la grande puissance, ici la Chine ou les forces occidentales. C'est justement ce que reproche Pyongyang à Séoul vis-à-vis de Washington. Pendant la colonisation japonaise, le Juche fut conçu et lié au principe d'un peuple unique, soudé par son identité coréenne, soit une réaction forte à l'extermination culturelle pratiquée par l'occupant. En 1955, Kim Il-sung évoqua pour la première fois, en privé, l'idée que le marxisme-léninisme devait être adapté à la pensée coréenne. Mais il attendit encore 10 ans pour rendre public ce tournant nationaliste. Il finit par l'inscrire dans la Constitution en 1972, et 20 ans plus tard, cette dernière ne faisait plus aucune référence au marxisme-léninisme. De cette doctrine, il faut retenir 3 piliers. Une souveraineté totale, qui ne peut être atteinte que par l'indépendance économique et militaire. La fameuse folie de Pyongyang devient alors d'une rationalité limpide. Le développement de l'économie et de l'arme nucléaire permet une indépendance absolue face aux autres nations, et donc l'instauration d'un dialogue d'égal à égal. Et le porteur d'un tel projet ne pouvait être que le chef nord-coréen, dont l'emprise du pouvoir et le culte quasi-divin se marient très bien avec cette mission nationale. Si la révolution n'est pas achevée de mon vivant, elle sera poursuivie par mon fils et mon petit-fils, aurait déclaré Kim Il-sung en 1943. Le président éternel avait vu juste. Chacun de ses héritiers a construit une légitimité historique pour consolider le pouvoir de la famille Kim, devenue surhumaine au fil des années. Pour s'ancrer dans l'histoire nationale, Kim Il-sung déclara que c'était son grand-père qui avait repoussé l'ingérence américaine de 1866. Il engagea ses archéologues pour lier sa figure avec celle du fondateur mythique du premier royaume de Corée, dont la tombe, proche de Pyongyang, fut restaurée en 1994. Le lieu de naissance de Kim Jong-il fut modifié pour correspondre à la montagne sacrée Baekdu. Et quant à Kim Jong-un, ses experts mirent à jour en plein Pyongyang la tanière de la créature mythique appartenant à un autre roi fondateur. Cette manipulation politique de l'histoire nous laisse donc entendre qu'un pouvoir dynastique en Corée du Nord n'était pas une évidence. A titre d'exemple, la référence « succession héréditaire » avait une définition très sévère dans le dictionnaire de la terminologie politique de 1970. 2 ans plus tard, elle avait totalement disparu de la nouvelle édition. Kim Il-sung avait très tôt envisagé de préparer son fils à lui succéder,
au détriment de son frère, opposé au Juche et au culte de la personnalité, qui lui aussi avait des partisans. Parmi les nouvelles vagues de purge entre 1973 et 1987, les publications du parti furent formelles. La succession se ferait de père en fils. Le bienveillant dirigeant put donc mourir tranquillement en 1994. 3 ans plus tard, après une période de deuil national et malgré quelques critiques, son fils reprit le flambeau sans accroc. Un exploit politique beaucoup plus difficile à reproduire pour Kim Jong-un. En août 2008, Kim Jong-il subit un accident cérébral. Il comprit alors que le temps allait manquer pour former son héritier par défaut, Kim Jong-un, son 3e fils. Car Kim Jong-nam, le premier fils qui aurait dû lui succéder, avait été discrédité au Japon alors qu'il essayait de visiter Disneyland en famille. Quant au second fils, il était jugé trop mou. La carrière politique du prince de l'étoile du matin fut donc construite de toutes pièces. Il se mit à suivre son père partout, et son temps d'apparition à la télévision augmenta, en même temps que ses grades militaires. De nouvelles élections, à candidature unique, eurent même lieu, ce qui permit l'arrivée de nouveaux cadres plus jeunes et supposés acquis à Kim Jong-un. À la mort du chef coréen, le 17 décembre 2011, tout semblait avoir été préparé pour son fils. Mais seulement âgé de 29 ans, Kim Jong-un savait qu'il n'était pas accepté par les autres responsables du pays. Les plus anciens cadres furent donc éliminés, notamment ceux qu'il avait aidé à porter le cercueil de son père ou qu'il avait formé politiquement. Jang Song-taek, son oncle par alliance, aux nombreuses fonctions politiques et aligné sur les intérêts de Pékin, fut lui aussi arrêté et exécuté en 2013. Si un malheur avait dû arriver à l'héritier, il était probable que son oncle plus libéral lui succède, ou constitue un soutien à Kim Jong-nam, assassiné à Kuala Lumpur 4 ans plus tard. C'est donc débarrassé de toute menace intérieure, grâce aux purges, aux mises à l'écart et à la retraite, que Kim Jong-un put s'imposer de manière incontestable lors du congrès de 2016, et accessoirement montrer à la Chine que le pouvoir nord-coréen resterait nord-coréen. La réforme du socialisme est un point commun important entre ses dirigeants, car au fil du temps, le concept est devenu un genre de patriotisme de libération permanente. Et c'est pour cela que chaque Kim doit se montrer en idéologue. Une fois au pouvoir, Kim Il-sung réhabilita le Juche. Son fils, Kim Jong-il, après la famine et l'effondrement économique du pays, inscrivit en 1998 la priorité à l'armée dans la constitution, c'est-à-dire un pacte avec les militaires pour s'assurer de leur fidélité, en échange de quoi ils devenaient les premiers acteurs économiques et politiques du pays par la gestion des entreprises. Quant à Kim Jong-un, son ajout à l'idéologie nationale fut la double poussée, sur le développement nucléaire et l'assouplissement de l'économie. Autrement dit, le renforcement de l'armée par la bombe, tout en lui retirant sa mainmise sur l'économie et la politique au profit du parti. À chaque fois, il s'agit d'adapter le socialisme et l'héritage du Kim précédent à la situation actuelle, sans jamais s'opposer à la voie montrée par Kim Il-sung. Ce remodelage du socialisme à la coréenne, doublé d'un système répressif et violent, permit d'asseoir un état solide en Corée du Nord, bien plus qu'au sud de la péninsule, où le gouvernement connut 2 coups d'État, des tentatives d'assassinat ou encore une destitution pour corruption. D'un point de vue interne, la famille Kim ne risque relativement plus rien. Un mouvement contestataire comme le printemps arabe est impossible, puisque les 2,5 millions de citoyens autorisés à vivre dans la capitale sont les plus fidèles du pays. D'ailleurs, le pouvoir en place n'a jamais affronté de révolte populaire, mais uniquement des factions autour des grandes instances politiques. La plus grande inquiétude des Kim réside alors au-delà de leurs frontières. Loin du fantasme d'un dirigeant fou prêt à déclencher une guerre nucléaire, il faut se souvenir qu'une bombe atomique n'est absolument pas nécessaire pour détruire Séoul, située à 40 km de la frontière. La question est de savoir si avec un missile intercontinental, la République populaire stabilisera sa diplomatie ou continuera à menacer ses voisins. Depuis que le président George Bush a classé ce pays parmi l'axe du mal en janvier 2002, il est hors de question pour la famille Kim de finir comme Saddam Hussein en 2003 ou Muammar Kadhafi en 2011. Pour rappel, le premier chef d'État avait été accusé à tort de posséder des armes de destruction massive, tandis que le second avait accepté de démanteler son programme nucléaire en 2003. Ces deux affaires sont essentielles dans l'évolution du dossier nord-coréen, où le nucléaire est devenu une garantie de survie définitive pour le régime. À cela, il faut ajouter que même si Kim Jong-un le voulait, il lui serait impossible de revenir en arrière. Car jusque-là, les souffrances du peuple nord-coréen ont été justifiées par Pyongyang comme un mal nécessaire. Les famines, la pauvreté, la misère, tout ce que le pouvoir a fait subir directement ou indirectement à sa population au profit du programme de recherche nucléaire doit finir par payer. Et les grands travaux très médiatisés du nouveau dirigeant servent justement à remercier le peuple, à entretenir le fantasme d'une population civile qui aurait volontairement serré sa ceinture pour le bien national. Les pistes de ski, les nouveaux hôpitaux et autres parcs aquatiques sont une manière de conforter les classes urbaines ainsi que de leur offrir un premier pas dans la société de loisirs. Enfin, revenir sur l'héritage des ancêtres n'est pas recommandé dans une société très influencée par le confucianisme,
où un respect absolu doit être témoigné envers les anciens et les seigneurs. Historiquement, c'est la Corée du Sud qui fut la première à disposer d'armes nucléaires, à la demande du président Syngman Rhee, de 1958 à 1991. Elle n'était pas sous le contrôle de Séoul, bien sûr, mais des États-Unis, qui avaient unilatéralement suspendu le paragraphe de l'armistice sur l'interdiction d'installer de nouvelles armes dans la péninsule. C'est à partir de ce moment que Kim Il-sung commença à enterrer son état par la construction de 10 000 bunkers souterrains. Il se tourna vers l'Union soviétique, puis la Chine, pour se doter lui aussi de l'arme nucléaire, mais essuya le refus de ses alliés. En revanche, Moscou fut d'accord pour l'aider à développer un programme nucléaire civil. Or, en 1993, la CIA affirma que le réacteur fourni par les soviétiques était en réalité utilisé pour enrichir de l'uranium à degré militaire. Entre-temps, la crise des missiles de Cuba de 1962 avait bien fait entendre à Pyongyang que le grand frère soviétique l'abandonnerait un jour ou l'autre, tout comme la normalisation des relations entre la Chine et Séoul en 1992. Cette peur de voir les États-Unis intervenir en Corée du Nord est toujours présente aujourd'hui, au fur et à mesure que l'armement conventionnel ne permet plus de tenir tête face à une armée modernisée. Le manque de carburant empêche les soldats de s'entraîner régulièrement, mais surtout le matériel en question remonte à l'époque soviétique, quand il n'est pas une mauvaise copie de modèle chinois. Divers événements, comme la capture en 1968 d'un navire espion américain près de la Corée du Nord, n'ont fait que renforcer ce sentiment de forteresse assiégée. Le USS Pueblo a d'ailleurs été changé en musée pour légitimer la politique du gouvernement. Depuis 1985, les relations entre la Corée du Nord et les États-Unis se résument à un va-et-vient entre l'arrêt puis la reprise du programme nucléaire, le pouvoir préférant plier à la dernière minute lorsque les États-Unis perdaient patience. Ce fut le cas en 1994, lorsque le président Clinton évoqua une intervention armée, et que Pyongyang accepta la signature d'un accord de coopération nucléaire civile avec Washington. Un accord prometteur, au potentiel gâché par le fait que les réacteurs civils promis ne furent jamais livrés, pour des raisons économiques, et que Kim Jong-il relança son programme nucléaire. Le retournement de l'administration Bush contre toute entente avec la République populaire finit d'enterrer toute option diplomatique. Mais peut-être que la Corée du Nord n'a jamais réellement voulu écarter la fabrication d'une bombe nucléaire, et ne faisait que gagner du temps quand elle promettait d'arrêter son programme, car la mise au point d'une telle arme lui permet de négocier directement avec les États-Unis, et donc d'atteindre le degré d'égalité diplomatique voulu par la doctrine du Juche. Néanmoins, la quête nucléaire nord-coréenne, symbole de sa peur diplomatique, est-elle légale ? Officiellement, la réponse est évidemment négative. Dans les faits, la situation est plus controversée. Il existe en droit international un texte dont la puissance a toujours augmenté. C'est le traité de non-prolifération des armes nucléaires, ratifié par la Corée du Nord en 1985. L'accord en question engage les signataires à refuser le transfert du nucléaire militaire, au profit d'un droit inaliénable au développement du nucléaire civil. En clair, les États possédant la bombe promettent une aide au nucléaire civil si les autres pays assurent de ne pas perturber la situation de 1968, où seuls les 5 États membres permanents du Conseil de sécurité disposent de cet armement. Le traité est presque devenu universel, malgré l'absence d'Israël, de l'Inde et du Pakistan, dont le programme nucléaire est complet. Au fil du temps, le Conseil de sécurité s'est posé comme le gardien et l'interprète de cet accord, ce qui a vite posé problème quand la Corée du Nord invoqua son droit de retrait le 10 janvier 2003. La réponse du Conseil arriva le 15 juillet et le 14 octobre 2006, pour demander à la Corée de revenir dans le traité, puis exiger qu'elle renonce à son retrait et arrête ses tests nucléaires. Autrement dit, le Conseil, après avoir reconnu indirectement le retrait nord-coréen, s'est arrogé le droit de le neutraliser. Une décision expliquée lors d'une résolution de 2009, où un manquement à une obligation de non-prolifération est considéré comme une menace à la paix et à la sécurité internationale, le domaine juridique du Conseil de sécurité. Entre parenthèses, la formulation est très subtile, car elle ne concerne pas les États qui prolifèrent, mais seulement ceux qui manquent à une obligation de non-prolifération. Israël, l'Inde ou le Pakistan ne sont donc pas impliqués puisqu'ils n'ont jamais ratifié le traité. La question du retrait nord-coréen est par conséquent un sujet de discorde entre les partisans d'une souveraineté des États à quitter un traité prévoyant une procédure de retrait et ceux d'une stabilité internationale promue par les États possédant déjà l'armement atomique. Quant à l'idée selon laquelle le retrait nord-coréen fragiliserait le traité, le sujet peut porter à discussion, car développer une arme atomique demande beaucoup d'argent et implique par conséquent de lourdes conséquences sur la population et l'économie, surtout si cette dernière est mondialisée et donc facilement sanctionnable. Les États pouvant se permettre un tel projet sont peu nombreux. Jusque-là, les politiques de sanctions contre la Corée du Nord ont échoué. La ligne dure du gouvernement Bush a seulement permis au discours nord-coréen de légitimer sa course nucléaire. La patience stratégique du président Obama, soit attendre que le régime s'effondre, a laissé se produire 4 tests nucléaires souterrains. Entre 2006 et septembre 2017, 8 résolutions de sanctions ont été votées au Conseil de sécurité. Jusqu'en 2016,
aucune ne visait réellement l'économie coréenne. Seul l'armement était concerné. Et pourtant, même les résolutions récentes autorisent toujours la Corée du Nord à faire le commerce de matières premières, à condition que les revenus ne servent pas à financer des projets militaires, ce qui est impossible à vérifier. La Chine est la première à n'appliquer que légèrement les sanctions, mais dans une moindre mesure, les Mercedes allemandes ou le cognac français, parmi tant d'autres produits, trouvent également leur chemin jusqu'à Pyongyang. Les sanctions sont donc inefficaces, car les voisins russes et chinois ne veulent pas pousser la Corée du Nord dans ses derniers retranchements, mais aussi contre-productives vis-à-vis de la rhétorique du régime qui a surmonté des crises bien plus graves, et utilise ses punitions internationales pour justifier son discours. Certes, la résolution du 11 septembre dernier va beaucoup plus loin que les précédentes. Elle affectera l'export de textiles et l'importation énergétique nord-coréenne si elle est appliquée, mais il est fort probable qu'elle reste inutile. Le président Poutine déclara même, après avoir voté les sanctions, que les Nord-Coréens mangeront de l'herbe avant de renoncer à leur programme nucléaire. Ce qu'ils ont techniquement déjà fait pendant la famine des années 1990. Le mot de la fin sera consacré au fait que la Corée du Nord n'est pas suicidaire. Au vu de son parcours et de sa situation, il serait stupide d'engager les hostilités. Ses objectifs n'ont pas beaucoup évolué depuis sa demande de garantie d'une région stable. Un accord de non-agression avec les États-Unis ferait l'affaire, et éventuellement un traité de paix avec le voisin du Sud, jugé non autonome. Quant à l'attitude de Pyongyang, elle a eu jusqu'à ces dernières années une double fonction. Attirer l'attention des États-Unis pour négocier des aides internationales et prouver à la population l'utilité du gouvernement, ainsi que des privilèges dont bénéficie l'armée. Un film de propagande montrant Washington sous un déluge de feu n'est évidemment pas adressé aux États-Unis, mais au peuple nord-coréen dont l'accès à l'information est extrêmement limité, à la manière de grenouilles au fond d'un puits, comme disent les Sud-Coréens. La seule lumière accessible est celle que le gouvernement veut bien montrer. Ou du moins, c'est ce qu'il aimerait, car le pays évolue et les informations circulent de mieux en mieux, grâce à des clés USB passant illégalement la frontière au fur et à mesure que le pouvoir n'a pas d'autre choix que de laisser émerger une classe d'affaires. Bien qu'attaché à son état et dépourvu d'une éducation critique, la population n'est pas stupide. Elle sait depuis la grande famine que son gouvernement a été débordé, et que le paternalisme de ses dieux vivants est faillible. Peu importe la rigidité du pouvoir, l'extérieur les intéresse beaucoup. Mais si Kim Jong-un tient sa promesse, s'il permet à sa population de mieux vivre, il pourra continuer à dormir sur ses deux oreilles. Ses ancêtres auront réussi à doubler la scène internationale d'hier et d'aujourd'hui pour lui donner un état nucléaire qui ne tombera pas de lui-même. Car l'histoire de la famille Kim n'est pas celle de fous, mais de survivants.